Aujourd'hui, nous sommes le jeudi, je crois. Oui, le jeudi 4 juin 2020. Il est 13h42. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo tricot. On va faire le châle Canada blanc. Avant toute chose, j'espère que tout le monde va bien. Et je vais vous montrer l'avancée de ma broderie Pointe-Croix, Sylvestre et Titi. Voilà, le Sylvestre et le Titi. Donc, je suis à court de couleur rose clair, numéro 605. Je n'en ai plus, j'avais qu'un écheveau. Mais dans mes réserves, j'ai trouvé du coton qui correspondait à la même couleur. Enfin, moi, ça correspond, hein, voilà. Donc ça, c'est le coton 603 que j'ai d'origine. Voilà, c'est le coton 603 que j'ai 605, pardon, que j'ai d'origine, que je n'ai plus d'ailleurs. Voilà, et j'ai trouvé celui-là dans mes réserves, dans les cotons qui n'avaient pas de numéro. Voilà. Et j'ai comparé, c'est à peu près, c'est exactement la même couleur. Donc eh ben, on va prendre dans le fil de réserve. Vous voyez, le coton, il est là. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Donc, bah, j'ai pris dans ma réserve, c'est tout ce qui me reste. Donc, il va falloir que je refasse que je retrie mes numéros par couleur. Mes couleurs par numéro, pardon, je veux dire dans le sens. Voilà, je vais trier mes cotons par couleur. Oui, les couleurs de mes cotons par numéro. Je sais qu'il y en a certaines couleurs, je les ai en 3, en 4, en 5 exemplaires. Mais c'est pas grave, c'est la collection qui était comme ça. Donc je vais faire le tri, séparer les couleurs et séparer les numéros DMC, couleurs et numéros DMC. Les mettre par catégorie, par numéro. Et les couleurs qu'il me faut dans mes toiles que je n'ai pas en coton, il faut que je les marque pour pouvoir les racheter. Je commanderai la maison du canevas parce que la maison du canevas, à partir d'une certaine somme, on paye en 4 fois. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a. Donc, je vous montre où j'en suis au niveau de ma toile. Alors, j'ai commencé à faire, vu que hier, il a fallu que je défasse une partie parce que je défasse le dernier rang qu'il y avait à faire ici. Là, parce que vous le voyez dans le sens contraire. Donc, je vais vous montrer. En pliant, vous verrez moi à travers. Voilà, quand je suis arrivée ici, je me suis aperçue qu'ici j'avais pas fait la séparation, j'avais fait ma ligne droite. Voilà, donc j'ai redéfait jusqu'ici, là, jusque là, j'ai recompté le nombre de points qu'il fallait mettre, j'ai laissé le nombre de points qu'il fallait rester pour pouvoir reprendre, mais du coup non, j'ai pas fait comme ça, j'ai fait toute cette partie là en décalant au niveau des couleurs. Voilà, après j'ai fait cette petite partie grise. Jusqu'ici. Voilà, je vais vous montrer. Et ça donne ceci. Alors, je vais plier la. Voilà, je vais doubler ma toile pour que vous puissiez voir correctement. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir puisque on est en faux jour, mais j'ai visionné les anciennes vidéos. Je suis en train de mettre la vidéo d'ouverture de colis en ligne parce que je ne l'ai pas fait hier. Donc, vous allez la voir avec un peu de retard. Vous l'aurez dans la journée. Dans l'après-midi, voilà. Donc j'ai fait tout ça, voilà. Alors comme je vous disais, je mettais la ligne qu'il y a ici, là, en dessous la main, j'avais été tout droit, c'est ce qu'il fallait faire. Mais l'autre juste au-dessus, je l'avais fait jusqu'au bout. Donc j'ai défait jusqu'ici, voilà. Je l'ai défaite jusque là et j'ai remonté comme ça jusqu'ici, comme ça cette couleur-là, je n'ai plus à la faire de ce côté-là. Il n'y a plus de ce rose-là, il n'y a plus un enfer de ce côté-là. Il faut reprendre à partir d'ici et faire jusqu'à peu près. Ouais. Donc là, j'ai repris à faire à partir d'ici le rose, qu'il va falloir que je monte et que je fasse attention parce qu'après, il va y avoir le coude. Il va y avoir le coude à Sylvestre ici à faire, le reste de sa main et après, il y aura les pieds du petit Titi, du Tweety, hein, comme on dit. Voilà. Donc il faut toujours compter le nombre
de petits carrés qu'il y a en couleur ici sur la toile, sur la feuille, sur le diagramme, et calculer le même nombre de points, par exemple là les gris, les décalés, les décalages, pardon, le rose, le noir et tout ça, va falloir que je compte par rapport à ce qu'il y a sur le diagramme, faut que je le recopie ici sur la toile. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Hier soir, j'ai fait toute cette partie. Hier tantôt, j'ai fait toute cette partie-là dehors sur sous mon tilleul. Et hier soir à la maison, avec l'anneau lumineux, la lumière de l'anneau lumineux, j'ai fait toute cette partie-là et toute celle-ci. Parce qu'ici, c'est du blanc, faut mettre. Voilà. Entre les traits gris, c'est du blanc. Donc là, il me faut encore le troisième trait gris qui correspond à sa main. Voilà. Et après, ici, c'est du noir. Voilà où j'en suis dans mon dans ma toile de broderie. Donc là, je vais la replier sur l'envers, endroit sur endroit, pour pas que mon chat mette ses poils partout, parce que quand il monte sur mon bureau, il fait voler des poils partout. Voilà. Alors, je vais faire autrement. Voilà. Je vais la replier comme ça pour cacher le coton qui est déjà brodé, et je vais la plier dans ce sens-là, comme ça. Ma toile, le coton est protégé de la poussière et est protégé aussi des poils de chat. Voilà, tous mes autres petits cotons, je les mets là. Celui-là, c'est celui-là que j'ai fini. Je le laisse quand même en cas de besoin dedans. Je le rangerai quand j'aurai tout fini. Ensuite, j'ai mon petit crayon de papier. Hop, j'ai mon premier petit ciseau. Ça fait des années que je l'ai. Je l'ai depuis que je fais de la broderie, depuis l'âge de 8-10 ans, hein. Depuis que j'ai commencé la broderie, donc il est très vieux. Hop. Je vais glisser, parce que ça c'est des grandes feuilles à format A4 que j'ai coupé la bordure qui ne servait à rien. Les explications, la dimension de la toile, tout est inscrit ici. Le diagramme, il est là. J'ai mis du scotch des deux côtés pour le, parce que c'est deux feuilles séparées, hein. Pour les assembler ensemble, pour que je puisse avoir cette partie-là en face de cette partie-là. Voilà, donc après je l'applique comme ça, au niveau de là où il y a le scotch. Je mets ma feuille dans ma petite pochette. Alors, c'est comme ça qu'il faut que je la mette. Je mets ma toile entre les deux. Wow, je la mets là, je vais la mettre dessus, voilà, je glisse mon petit crayon de papier dedans, je glisse mon petit ciseau dedans, et comme ça, vous voyez, c'est rangé, je vais la mettre là pour l'instant. J'ai toujours mes problèmes de sciatique, hein, ça ne guérit pas, il faut que je prenne un cachet comme ça, parce que normalement c'est traitement pendant 5 jours, mais j'en ai pas pris hier. Donc je vais en prendre un maintenant. La factrice, elle va... Ah oui, il faut que je guette la factrice. Je mets pause et je reviens. Je guette la factrice et je reviens. Oui, recoucou. Oui, la factrice venait de passer. Je l'ai rattrapée au bâtiment à côté. Ça va, elle n'était pas trop loin. J'ai une bouteille, un bouchon derrière. Les petits trucs en plastique qui maintiennent le bouchon ouvert et cassé. Donc... voilà, faut que j'aille à Carrefour en chercher d'autres, mais j'ai pas envie, j'ai pas le courage. Donc je vous disais, donc ma toile broderie, c'est celle que je fais actuellement comme ça. J'en ai d'autres qui sont commencées, qui sont pas finies, donc je l'ai rangée ici. Voilà, j'ai ma toile diamant painting là, mais on va faire du tricot, donc faut que j'aille le chercher. Je vais accrocher le sac par là, comme ça. Voilà, on va faire le chat Canada blanc. Alors, je vais accrocher mon sac au radiateur, puisque ça risque rien, il n'y a pas de chauffage. Je vais prendre ma fiche explicative. Voilà, hier j'ai pas pu en faire hier soir sous le tilleul parce que j'avais tout emmené mon sac avec tous mes tricots, ma broderie, j'avais tout emmené. Et
arrivée sous le tilleul, je me suis aperçue que j'avais pas mon stylo pour marquer là où j'avais arrêté mes rangs. Donc je n'ai pas pu faire de tricot, j'ai pas pu avancer sur mon tricot châle Canada jaune, et le blanc je le fais qu'en vidéo avec vous. Donc là je sais pas où j'ai foutu ma feuille, si elle est là. Donc le châle Canada blanc, on en est au rang 29. Voilà, parce que sur le jaune on en est au rang 45. Sur le châle Canada jaune, on en est au rang 40. On va reprendre à partir du rang 45. Voilà. Donc là, comme j'en suis qu'au rang 29, voilà. Faut qu'on aille jusqu'au rang 45 pour être à égalité. Mais bon, comme ça va assez vite à tricoter, il n'y a pas beaucoup de mailles. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, parce qu'on est déjà à 11 minutes de vidéo. Donc c'est parti. Alors, comme d'habitude, j'ai placé des petits marqueurs sur la dernière fois qu'on a fait la vidéo, sur celle qui est en ligne d'ailleurs. J'ai fait un peu de tricot au châle Canada blanc avec vous, sur la vidéo ouverture de colis et de courrier. Voilà, et on avait placé les marqueurs. Je crois qu'on avait fait un tour d'ailleurs, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus, enfin vous verrez ça dans la vidéo, hein. Donc on va reprendre à partir... Oui, on avait fait quelques rangs parce que j'étais au rang 26. Je crois qu'on avait fait deux rangs. Hein. Allez, on avait fait le rang en droit et le rang en vert. Et on avait placé tout ce qui était placement de marqueurs. Donc là, j'ai mis mes côtés, mes quatre petits côtés où il faut faire, par exemple, là, on va faire sur le rang 29, 12 mailles. Donc là, il y a les deux mailles qu'on tricote ensemble pour la diminution droite. On fait pareil pour la diminution gauche. Donc, c'est marqué avec un marqueur rose. Et après, là, c'est là où on va tricoter nos 12 mailles en droit. 5 en une. 12 mailles en droit. Diminution double. 12 mailles en droit. 5 en 1. 12 mailles en droit. Diminution double. Donc là, c'est la partie droite. Ici, on est dans la partie centrale. C'est pour ça que j'ai mis des marqueurs jaunes, entre le jaune et le vert. On va dire jaune citron. Voilà, donc là, on va faire, vu que là, on en fait 12, ici, on va en faire 13, 5 en 1, 13, et après, on reprend avec les 4 petits côtés, donc on fait diminution double, 12, 5 en 1, 12, diminution double, 12, 5 en 1, 12, et la diminution simple pour la bordure. Voilà, ce qu'on a fait en côté droit, on le fait en sens inverse côté gauche. C'est la même chose, mais à l'envers. Là, on avait terminé par une diminution double. Donc, quand on arrive ici de ce côté, on commence par une diminution double et on continue jusqu'à la fin pour faire notre rang. Alors, mon chat m'a griffé, ça s'est réouvert. Ça a saigné un petit peu. Faut que je mette un pansement. Bah ouais, mon bébé, hein, tu peux pas aller dehors, il pleut là. C'est pas beau aujourd'hui, on a du vent, on a eu de la pluie cette nuit, avec des roulements de tonnerre, hein, d'orage, hein, des petits roulements d'orage, ça n'a pas éclaté, ou alors j'ai pas entendu une fois que j'étais couchée, mais là le temps il est vraiment gris, on n'a pas de soleil, le temps est gris, il y a beaucoup de vent, et apparemment il a dû pleuvoir parce que je vois que la route elle est encore un peu mouillée, et je m'aperçois qu'il faut que je fasse mes rideaux avec mon balai vapeur. Pas mes rideaux, mais oui, que je lave mes rideaux, ça c'est clair. Mais que je lave mes carreaux aussi. Donc là, comme je vous dis, on a placé les marqueurs. Vous comptez le nombre de mailles à tricoter, ce que vous avez à faire sur votre rang en droit. Vous placez vos marqueurs, comme ça après, quand vous faites votre rang, vous n'avez pas besoin de recompter vos mailles, puisqu'elles ont déjà été comptabilisées et que les marqueurs ont été placés à la bonne place. Donc là, je vais baisser l'écran. Alors, j'espère que je suis bien claire dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, les filles, dites-le moi en commentaire. Alors, les deux premières mailles sur la droite, vous les tricotez ensemble à l'endroit, c'est votre première diminution. Vous faites glisser votre marqueur, vous enlevez votre marqueur. Moi, généralement, j'ai fait glisser ou je les enlève carrément. Ah non, c'est mon fils.
Voilà, je les place, je les mets là. Vous faites vos 12 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, moi, je compte la première fois pour voir, pour contrôler que je ne me sois pas trompée et pour vous montrer que j'ai bien 12 mailles. Donc là, j'enlève le marqueur suivant. Et là, c'est la maille toute seule. Vous tricotez 5 mailles dans la même. Alors, une. Alors, vous faites une fois devant, une fois derrière. Alors, une. Deux. Trois. Quatre. Et 5, et vous lâchez. Vous enlevez votre petit marqueur, et normalement, vous avez 12 mailles juste après. Alors, on va contrôler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Alors, ici, vous avez fait, une première partie de triangle. Après, vous avez fait 5 mailles dans l'une. Là, vous venez de faire votre deuxième partie de triangle. Donc ici, vous enlevez votre marqueur et vous faites votre première diminution double. C'est-à-dire, vous faites visser une maille, vous tricotez les deux mailles suivantes à l'endroit. Voilà. Et la maille que vous avez glissée, vous la passez par-dessus les deux mailles que vous avez tricotées. Voilà. Donc là, on a fait le deuxième triangle complet. On enlève le marqueur et on passe au troisième triangle. Donc là, bah, c'est vos 12 mailles. Donc là, je ne les compte plus. Hein, parce que ça recommence pareil. 12 mailles. J'en ai oublié une. Voilà. Ici, vous enlevez votre marqueur. Alors là, vous avez fait un premier triangle 5 en 1, un deuxième triangle diminution double, troisième triangle, vous faites 5 en 1, et au quatrième triangle, après, vous ferez une diminution double. Donc là, on fait 5 en 1. Zut. Donc là, vous avez sur ce côté-là, vous avez 4 petits triangles. Vous avez 2 fois 5 en 1 et 2 fois diminution double. Voilà. Donc là, on fait le dernier parti de triangle, parce que là, j'en fais 1, 2, 3. Là, je fais la quatrième partie, le quatrième petit triangle. C'est pour ça que je mets des couleurs différentes, comme ça je sais où j'en suis. Donc là, vous enlevez votre petit triangle, vous faites votre petit marqueur, pardon, vous faites une diminution double. Donc, maille glissée, deux mailles ensemble en droit, et la maille glissée sur les mailles tricotées. Et là, vous voyez, on passe aux deux triangles, central. Donc, là, sur la partie droite, j'ai un triangle, un marqueur d'une couleur rose. J'en ai 7 couleurs bleues. J'en ai 4 couleurs jaunes, 7 couleurs bleues et un rose. Donc, ça fait 2 roses, 14 bleus et 4 jaunes. Voilà. Donc là, j'enlève mon petit marqueur, vu que j'ai fait ma diminution double. Donc ça, c'est mes marqueurs de la partie droite.
Et là, je fais mes 13 mailles. Alors, on va vérifier ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. J'ai bien mes 13 mailles. Alors, sur ce rang-là, vous avez 12 mailles, 5 en 1, 12, diminution double, 12, 5 en 1, 12, diminution double. Et à partir de là, vous en avez 13. Donc là, côté vous en avez côté gauche et côté droit et côté gauche, là vous avez fait 12 sur le prochain rang. Donc sur le rang en droit numéro 31, vous aurez 13 mailles ici. Et au niveau des mailles centrales, vous en aurez 14. Quand vous en avez 14 ici, sur le rang suivant, vous en avez 14 là et 15 ici. Et ainsi de suite. À chaque rang terminé, au rang endroit suivant, bon, là j'en ai 12, donc au rang suivant, au rang 31, je vous dis, vous en aurez 13. Ici, vous en aurez 14. Au rang 33, ici, vous en aurez 14, ici vous en aurez 15, et ainsi de suite. Vous rajoutez toujours une maille à chaque rang en droit. Voilà, donc là vous faites votre 5, 1 en, vos 5 mailles en 1, 5 en 1, on va dire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, quand vous avez compris les 10 premiers rangs, après c'est à répétition. Sauf qu'à chaque fois, à chaque petit triangle, ici sur la droite et sur la gauche, il faut rajouter une maille. Et ici, il faut en rajouter une aussi. Vous faites vos 13 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et j'en ai bien 13. Donc comme je vous ai dit, au rang 31, vous en aurez 13 sur les 4 petits triangles de droite, vous en aurez 14 sur les 2 triangles du centre, et vous en aurez 13 sur les petits triangles de gauche. Il va pleuvoir, je ne sais même pas s'il ne va pas faire de l'orage. Donc là, vous enlevez votre petit marqueur. Voilà. Et comme ici, avant d'arriver à votre maille centrale, vous avez terminé par une diminution double, et bien, sur l'autre côté gauche, vous commencez par une diminution double. Une maille glissée, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit, la maille glissée sur la maille tricotée. Voilà. Après, vous faites votre petit triangle de 13 mailles, de 12, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Vous enlevez votre marqueur, vous faites 5 en 1. Et 5. Quand vous faites un chat comme ça, ça fait côté droit, côté gauche, vous avez vos mailles centrales. Ben, le côté droit, vous avez terminé, comme je vous dis, par 3 mailles, par une diminution double. Et quand vous arrivez après votre maille centrale, vous arrivez au côté gauche, vous commencez par une diminution double. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Voilà. Ce que vous faites dans un sens de droite à gauche, côté droit, vous le faites de gauche à droite. Non, de droite à gauche, côté droit, vous le faites de droite à gauche, côté gauche. Voilà, vous faites l'effet miroir, qui fait que le côté gauche se reflète à l'envers par rapport au côté droit. J'espère que je suis assez claire. Voilà. Quand vous terminez, par exemple, comme je vous dis, vous terminez ici avec des diminutions doubles, vous reprenez ici avec des diminutions doubles, et vous faites tout votre rang.
Voilà. Donc là, on repart avec 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, sur le prochain rang droit, par rapport à celui-là, tout ce qui est côté où on fait 12 mailles, vous en ferez 13. Là où on en a fait 13, vous en ferez 14. Et sur le côté gauche, vous ferez pareil. L'endroit où on en a fait 12, vous en ferez 13. Et ainsi de suite. De toute façon, vous allez comprendre parce que je vais faire jusque... Alors là, c'est diminution double. Maille glissée, 2 mailles ensemble en droit. Maille glissée sur maille tricotée. On enlève le petit marqueur et on fait nos 12 mailles. Alors ne placez vos marqueurs que quand vous serez sur votre rang droit, parce que moi je l'ai fait une fois sur le rang en vert. Je les ai placés avant de faire, quand j'étais sur mon rang en vert, et quand il a fallu faire le rang droit, je croyais, ben c'est ça qui m'a fait l'erreur sur le jaune. Je pense que c'est à cause de ça que je me suis trompée sur le jaune. Parce que j'avais, il y a un moment où j'avais mis mes marqueurs, j'avais positionné mes marqueurs en étant sur le rang en vert, et quand il a fallu faire le rang droit, je ne savais plus si j'étais au rang... Je ne savais plus si j'avais déjà tricoté ce rang ou pas. Donc, attendez d'être sur votre rang droit pour placer vos marqueurs. Comme ça, après, vous tricotez vos mailles et vous n'avez pas à vous tromper. J'enlève mon marqueur. Je fais 5 en 1. Donc on n'a pas à se tromper, que ce soit côté gauche, côté droit, côté droit, côté gauche, c'est la même chose. Vous avez 4 parties de triangle, vous avez 2 fois 5 en 1 et 2 fois diminution double. Donc là, après, je fais mon triangle de 12 mailles. Et vous avez deux diminutions simples, une au début et une à la fin. Et c'est tout le long du châle pareil. Sauf qu'à chaque rang droit, on rajoute toujours une maille. Voilà. Donc là, j'enlève mon petit marqueur rose. Et je fais mes deux mailles ensemble en droit. Pour ma dernière diminution. Voilà. Là, on va faire le rang en vert. Alors, j'espère que vous voyez bien, les filles. Hein, parce que... Je vais être obligée d'allumer l'anneau lumineux. Hein. Alors, le rang en vert, vous faites une maille lisière et toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'envers. Voilà, donc je commence avec vous. Vous faites tout votre première maille, vous la faites maille lisière et toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'envers jusqu'à la fin. Voilà, donc je commence la première partie avec vous. Et quand je serai sur les rangs verts, je les ferai hors caméra. Comme ça, ça prendra moins de temps sur la vidéo. De toute façon, vous savez que c'est sur deux rangs. Il y a un rang en droit, un rang en vert. Voilà. Donc là, j'ai fait le premier triangle. Je fais la partie du deuxième triangle. De toute façon, après, ça se voit, hein. Donc du coup, je vous disais, ben, la journée où j'ai oublié de prendre mon stylo pour faire pour marquer les rangs que j'avais fait sur mon châle Canada, ben, du coup, comme j'avais emmené ma broderie, j'ai fait de la broderie. Et avant de faire de la broderie, j'avais fait un peu de coloriage mystère, parce que je peux les emmener partout. Parce que ça se fait qu'avec du crayon noir, donc il faut que je fasse ma réserve de crayon feutre noir. Ceux que j'achetais, que j'étais habituée à acheter à Carrefour, ils n'en ont plus. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver sur Internet,
sur Amazon, marqué feutre noir à pointe fine, et puis marqué feutre noir à pointe fine, et en commander plusieurs. Et après, ben, je paierai en 4 mensualités suivant la quantité que j'ai, quoi. Voilà. Donc là, j'en suis à mon quatrième triangle. Donc, vous avez 4 petits triangles de 12 mailles là, sur ce rang-là. Et vous en avez 2 de 13 mailles. Sur le rang endroit précédent, vous en aurez 4 de 13 mailles et 2 de 14 mailles. Voilà. Et à chaque rang... À chaque endroit, vous avez toujours 4 petits triangles après de 14 mailles et 2 de 15 mailles. Et après, ben, vous augmentez tout le temps comme ça. De toute façon, là, ça va. Moi, j'avais calculé jusqu'au rang 121. Donc, on va aller jusqu'à ce rang-là, si on peut aller jusqu'à là, suivant la grandeur du châle. Et si vous le voulez plus grand, ben, vous continuez. Hein. Voilà, parce que tous les rangs, ces deux rangs sont en répétition jusqu'à la fin du châle. En sachant que vous rajoutez toujours une maille à chaque rang endroit. Voilà, donc je vais continuer le rang vert hors caméra et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai fini mon rang en vert, donc on reprend au rang endroit. Donc là, il va falloir que je prenne mon crayon, un crayon papier parce que l'autre il est dans ma poche avec mon canevas. Donc là, on a fait le rang 29, on a fait le rang 30. Donc ici, il va falloir que je j'avais écrit avec du rouge, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais prendre... On va faire... Alors, je vous montre comment je fais. Je vais noter le nombre de rangs que je fais. Donc là, on avait fait au rang 30, on va aller jusqu'au rang 60. Alors, 31, 32, 33, 34... 35, 36, 37, j'ai un crayon qui commence à plus écrire, 38, 39, 40, 41, 42, je fais des gros chiffres pour mieux les voir, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, c'est mal écrit, 53, 54, 55, 56, 57, 58, mon crayon n'écrit presque plus, 59, 60. Des petits trous entre les deux pour séparer. Généralement, je le fais jamais, mais bon, comme là j'ai écrit assez gros, j'aurais pu marquer plus de numéros, mais on va aller jusqu'au rang 60 et puis on aura déjà bien travaillé quand on aura fait ça. J'ai un crayon qui écrit presque plus. Après, c'est vrai que j'ai fait des gros chiffres. Voilà, donc je vais relever un petit peu l'écran. Donc là, on reprend au rang 31 et comme j'ai dit, on va placer les petits marqueurs. Donc là, je mets deux mailles parce que c'est mes deux mailles ensemble en droit. Là, on a dit qu'on en mettait... oui, le rang 31, donc on en met 13. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. On met un petit marqueur bleu. Là, on fait 5 en 1, petit marqueur bleu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, petit marqueur bleu. Vous prenez une autre couleur, hein. Après vous n'êtes pas obligé de mettre tout d'une même couleur d'un côté. Et voilà. Mais moi c'est mon point de repère pour savoir où je fais mes quatre petits triangles, où je fais mes triangles centrales, mes deux grands triangles. Donc là je mets un marqueur bleu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, petit marqueur bleu, je sais qu'il m'en faut 7 au total, donc 2, 4, 5, ah,
5. 5 en 1, ça fait 6. Donc là, j'ai déjà 3 triangles. Donc là, je fais le quatrième. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Le dernier triangle, le dernier marqueur bleu. Là, c'est 3 en 1. Donc là, je mets un triangle, un marqueur jaune. On arrive aux grandes parties. Voilà. Alors là, on en fait 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Un autre triangle, un autre marqueur jaune. On vous mettez en couleur, hein, pour celles qui ont des trucs en couleur. Hein. Si vous n'avez pas en couleur, c'est pas grave, les filles. Hein. Moi, c'est ma façon de faire. Donc, après, chacun fait comme il veut. Et là, vous en remettez 14. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. De toute façon, vous avez le compte juste, hein, parce que vous voyez les séparations avec les diminutions doubles. Hein. Vous voyez, là, je sais que je m'arrête. Là, je sais que j'en ai d'ici. Voilà. Alors, je vous le montre un an. Oui, moi c'est ici, c'est mon côté droit, moi. Donc, vous savez que à partir d'ici, vous voyez, vous avez la diminution double. À partir d'ici, vous arrivez à la partie jaune, partie centrale. Donc, vous en faites 14. 5 en 1, 14. Et vous voyez... Ça correspond à 14. Vous savez que vous avez votre diminution double ici. Donc une maille en droit ici, que vous une maille glissée et des deux mailles tricotées. Voilà. Donc j'ai placé mes 4 mailles. Alors là, vous reprenez avec les marqueurs bleus. Vous faites diminution double. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13, vous arrivez tout pile poil au niveau de votre maille 5 en 1, vous marquez votre marqueur ici, 5 en 1, vous mettez un deuxième marqueur, vous laissez une maille, voilà, vous refaites 13, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, vous savez que là, il vous faut vos 3 mailles, donc là, vous marquez votre marqueur bleu, enfin placé. Vous laissez vos 3 mailles pour votre diminution d'eau, vous placez votre marqueur. Là, vous savez que c'est une notification. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Le petit marqueur bleu. 5 en 1, vous placez votre dernier marqueur bleu. Et après, ici, vous placez votre marqueur rose en laissant 2 mailles sur votre gauche, les deux dernières mailles, et vous vérifiez 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à les tricoter. Je vais voir ma notification. Ça doit être la notification comme quoi l'enregistrement de ma vidéo est fini et j'ai plus qu'à la mettre en ligne sur YouTube. Je mets pause et je vous reprends tout de suite. Donc coucou les filles, j'étais en train de regarder mes messages, mes notifications. J'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles vidéos. Je suis en retard pour regarder vos vidéos les filles. Hein. Donc j'en ai regardé quelques-unes. J'ai regardé la vidéo anniversaire de Mathis. Mais voilà, Angélique, j'ai pas vu la fin. Parce que ça a coupé avant. Alors est-ce que c'est... J'ai pas vu l'ouverture du plus gros colis. Voilà. Donc c'est pas grave, moi j'ai complètement zappé parce que j'ai les anniversaires au mois de juin, hein. il y a eu l'anniversaire de mon petit Enzo, il y a la mienne, ensuite il y a l'anniversaire de ma petite Juliette, mais j'ai complètement oublié celle de Mathis, voilà, aujourd'hui il y a les 5 mois de ma petite dernière, de ma petite poupée, voilà, je n'oublie pas Mathis. J'attends demain ou samedi que mes sous soient arrivés. Je lui prends un petit quelque chose. Je lui mettrai une petite carte anniversaire parce que j'ai pas le temps de la faire. Hein, j'aurai pas le temps de la faire. Donc je lui prendrai une petite carte d'anniversaire pour ses 6 ans. Je lui mettrai un petit cadeau à l'intérieur et je t'envoie ça le jour même que j'aurai acheté. Donc il aura avec un petit peu de retard. En attendant, je lui souhaite un joyeux anniversaire pour ses 6 ans et je lui fais plein de gros bisous et plein de gros bisous à tout le reste de la famille. Voilà.
Je ne t'oublie pas, mon petit Matisse. Mais bon, moi j'habite dans un petit lotissement, dans un petit village où à Carrefour Market, c'est le seul magasin et Leader Price, mais Leader Price, il n'y a pratiquement rien au niveau jouets. Et à Carrefour Market, il y a des petits trucs. Il y a quelques petites choses, des cartes d'anniversaire, il y a. Mais il n'y a pas grand choix. Il y a des petits trucs au rayon jouets pour les petites filles. Pour les petits garçons, il y a quelques petits Playmobil. Il y a des petits livres de coloriage. Il y a des livres pour enfants. Mais voilà. Comme je veux aller dans le week-end ou dans la semaine à Stokomani et à Action, je verrai ce que je peux lui trouver à ce moment-là et je lui enverrai après. Voilà. Donc il aura sa petite enveloppe avec sa petite carte et son petit colis et son petit cadeau avec un petit peu de retard. Je suis désolée Matisse, encore un joyeux anniversaire à toi pour tes 6 ans. Voilà, bisous mon grand. Donc là, on reprend la vidéo tricot Châle Canada du création de Lydia Crochet Tricot. Et on continue. Et après, j'ai deux autres vidéos à faire. Là, j'ai une vidéo qui est mise en ligne. J'attends qu'elle soit finie. Je ne sais pas où elle en est. Je regarderai tout à l'heure. Donc là, on fait le rang 31. Donc c'est deux mailles ensemble en droit. Et puis on fait suivre les petits, on enlève les petits marqueurs à faire et mesure. Hein. Et là, on est à 13 mailles en droit, normalement, pour les quatre premiers triangles. Oui. Donc moi, je compte pas, on compte pas les mailles puisqu'on les a marquées. Ça va plus vite. Hein. Vous placez vos marqueurs avant de commencer votre rang et après vous tricotez, vous n'avez pas besoin de recalculer, de recompter. Vous savez ce que vous avez à faire au niveau des marqueurs. Donc là, j'ai fait mes 13 mailles. Là, c'est le 5 en 1 puisqu'il n'y a qu'une seule maille. Alors, toi, Angélique, qui fais des petits amigurumis, j'ai un livre spécial petit amigurumi spécial cirque. J'avais dit que je t'enverrais le livre, je ne l'ai pas encore fait. Donc, ben, je vais l'envoyer en même temps que le petit cadeau d'anniversaire à Matisse. Voilà. Mais faudra attendre dans le week-end ou dans la semaine prochaine pour que je t'envoie tout ça. Que je puisse aller au magasin Action et Stokomani pour le petit cadeau à Matisse. J'y ai pas pensé plus tôt, j'ai complètement zappé. Donc désolé Matisse, je te souhaite quand même ton anniversaire en vidéo aujourd'hui et tu auras ton petit envoi, ton petit cadeau et ta petite carte pas avant la semaine prochaine. Voilà. Parce que là aujourd'hui on n'est que jeudi. J'ai mes sous, ma CAF, elle arrive que demain au plus tard samedi. Voilà. Et après, je ne peux, j'ai personne pour m'emmener au magasin. On y va en bus avec mon fils. Mais je n'ai pas les horaires de bus pour aller de la gare d'Evreux à d'aller à Action. Je n'ai pas les horaires de bus. Donc là, on fait la diminution double, hein, là où il y a trois mailles. Voilà, donc je t'envoie tout ça pour la semaine prochaine. Donc là, je continue à tricoter mes mailles. Hein, je sais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de calculer, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, donc on va l'avancer comme ça. Vous savez ce qu'il y a à faire, c'est les mailles pour faire notre rang, les 5 en 1, les diminutions doubles, et puis vos mailles... sur chaque triangle. Voilà. Je voudrais faire deux autres vidéos après. Donc sur la prochaine, ça va être une vidéo diamant painting, je pense. Ou une vidéo broderie pendant qu'il fait encore jour. On fera la vidéo broderie avant et la vidéo diamant painting après. Que j'en ai fait hier, du diamant painting. J'ai avancé un peu ma. J'avais fait la vidéo, mais
J'ai eu un petit souci avec l'ordinateur. J'ai pas pu défi je pourrais pas diffuser cette vidéo-là. Donc je vous montrerai la partie que j'ai fait hier avec que j'avais fait hier et on fera la partie, il faudra que je regarde aussi sur ma chaîne YouTube à quel niveau j'en suis au niveau des. Parce que je crois qu'on avait fait la partie 3 et 4 sur la jument et son poulain, je ne sais plus, il faudra que je vérifie pour pouvoir après remettre, reprendre à partir du niveau où j'étais arrêtée au niveau des parties de Diamond Painting qu'on fait ensemble en vidéo. Voilà. Alors, j'ai participé au petit concours de 100 abonnés de maman et puis, voilà. Je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que je participais avec plaisir à son concours. Voilà, comme je fais avec vous toutes. Par contre, moi, les concours, je n'en fais pas pour le moment parce que je n'ai pas de logiciel pour. Je serai obligée de faire le tirage au sort à la main. Je demanderai à mon fils s'il veut bien me les faire. Mais bon, je suis qu'à 34 ab 33 abonnés. Je n'ai pas été voir à combien j'en avais aujourd'hui. Voilà. Bon, je pourrais faire un concours pour le nombre d'abonnés qu'on est, mais un coup je suis à 34, à 33, j'étais à 34, un coup je suis à 34, je descends à 30, après je remonte à 32, là je suis remontée à 33, mais voilà, ça monte et ça descend chaque fois, donc là pour l'instant je ne peux pas prévoir de concours. 3. Et j'ai pas assez de trucs en réserve pour mettre en lot. Voilà. Et les étoiles diamant painting que j'ai, elles sont toutes terminées. Et celles que j'ai actuellement, que je suis en train de faire actuellement, elles sont commencées. Et j'ai pas, comme vous, j'ai pas le. Je sais plus qui c'est. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont de nombreux diamants painting non commencés, hein, en réserve. Moi, je ne peux pas me permettre d'acheter autant de diamants painting. Je pourrais si je voulais, mais bon, je suis pas sûre qu'après. Alors, voyez, je vais remonter l'écran, voir si vous pouvez voir le temps. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Vous n'allez pas pouvoir voir. Voilà, vous voyez l'arbre. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de. Non, on ne voit pas. On ne peut pas voir. J'aurais eu le caméscope, on aurait pu voir, mais là, on ne peut pas voir. Le temps, il est énormément gris. Le ciel est gris. Il y a un côté où c'est gris et un peu plus clair, mais au-dessus de ma tête, c'est gris foncé. Voilà. Et il va pas tarder à pleuvoir, je pense. Alors attendez, là, j'ai fait une erreur. Voilà. Alors attendez, je recompte mes mailles. Alors. 1, 2, 3, 4, alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà, donc là j'ai 5 en 1, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà, donc là, j'ai tricoté la dernière maille, les filles, il ne fallait pas que je la tricote, celle-là. Voilà, parce que c'est ma diminution double. Donc, je glisse ma maille, je tricote ensemble les deux autres à l'endroit, et je passe ma maille glissée sur mes mailles tricotées. Voilà, parce que j'ai discuté avec vous en même temps, et j'ai fait une. Bon, ça va, je gère. Donc là, on tricote les 13 mailles suivantes. Quand on place les marqueurs aux bons emplacements, à chaque rang endroit, après, comme je vous dis, ça va beaucoup plus vite pour avoir, pour tricoter. Vous n'avez pas besoin de compter vos mailles. Donc là, j'arrive à la maille où il faut faire 5 en 1, parce qu'il y a une maille toute seule. Je devais aller chez porter le courrier chez ma copine et m'occuper de la minette, mais la porte d'entrée en bas n'est pas ouverte. Il ne fait pas bon temps, donc. La minette, elle a ce qu'il faut à manger, elle a ses réserves. Il y a juste qu'il faut que je change sa litière demain.
Voilà. Donc là, je crois que la vidéo broderie, ça sera pas aujourd'hui. Enfin, on verra. Avec l'anneau lumineux, si je peux le faire, mais bon. On va tricoter sur le châle Canada. Là, on va faire 2-3 rangs supplémentaires. Hein. Donc là, on en a déjà fait. Alors, mon rang 31, je suis en train de le faire. On aura fait 4 rangs maximum. Donc, il avance pas bien vite. Il avance pas, pardon, bien vite. Là, c'est ma diminution double puisque j'ai 3 mailles. Donc, une maille glissée et 2 mailles ensemble en droit. Maille glissée sur maille tricotée. Hein. Là, c'est les 13 mailles en droit à faire. Il me reste encore un triangle et on a fini le rang. Alors, c'est un châle du modèle de chez lydiacrochettricot.com. C'est un châle qu'on peut tricoter aux aiguilles et au crochet. Donc, j'ai la version crochet, j'ai la version aiguille. Et on peut le tricoter dans toutes les laines, dans toutes les couleurs qu'on veut. Je vais essayer d'en faire un avec de la laine Caprice de chez Lydia Crochet, parce que je sais qu'elle en a fait un au crochet comme ça. Ou au tricot, je ne sais plus. C'est une fille formidable, très sympa. Quand je lui fais des commandes, je lui commande des pelotes de laine chez elle pour faire ses modèles. Bon, là, c'est de la laine à part parce que les laines que j'ai prises, il y a d'autres projets dessus. Mais sur les dernières que j'ai achetées chez elle, il y a d'autres projets dessus. C'est des projets que j'avais déjà commencé que je ne pouvais pas terminer parce que j'avais pas assez de laine. Mais voilà, quand j'achète de la laine chez elle, au bout de 3-4 jours, j'ai la livraison à domicile. Ça arrive assez rapidement. Sauf que là, bah, il y a eu un petit peu de retard à cause du Covid-19. Voilà. Donc le rang 31. Donc là, je fais le rang en vert. Donc le rang en vert, comme je vous l'ai dit, c'est une maille lisière et toutes les autres mailles à l'envers. On n'est qu'à 52 minutes de vidéo. Donc je finis mon rang en vert, on se retrouve après et après je fais visionne la prochaine vidéo. Voilà. Donc là on a fait 4 rangs aujourd'hui. Donc je vais rayer mon rang 31, mon fond de papier, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai posé je ne sais où. J'ai dû le. Ah non, il est là. Voilà. Donc là je raye mon rang 31, puisqu'il est fait. Je raye le rang 32 parce qu'il est en cours de tricot. Et après, je vous reprends après mon rang en vert, où je vais faire le rang en vert avec vous complètement. Et puis comme ça, je pourrai arrêter la vidéo et basculer sur une prochaine vidéo broderie et après vidéo diamant painting. Donc des vidéos, là avec les deux qui vont suivre, j'en ai pour jusqu'à ce soir maximum. Ouais, parce que vous voyez, il est déjà 4 heures, il est 16 heures, donc je vais en avoir pour jusqu'à 18-19 heures. Parce que dès que celle que j'ai mis en ligne est finie, je mets celle-ci après en ligne, le temps que je fasse les autres vidéos. Que dès que j'ai une vidéo en ligne, j'en fais une en cours, comme ça je ne suis pas à court de vidéos. Et après, j'irai voir les vidéos des filles que je n'ai pas regardées. Parce que je n'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos non plus. Hein. Ou alors, je les regarde le soir quand je suis dans mon lit. Parce qu'à partir de 8 h, je regarde en fin de soirée, après 19 h, je regarde mes vidéos, les séries ou les films que je n'ai pas vus, les émissions à la télé que je n'ai pas vues, je les regarde en replay. Et quand je suis trop fatiguée, je vais dans ma chambre et je regarde mes vidéos de mes youtubeuses, les vidéos de mes abonnés. Quand je m'endors pas sur l'écran de l'ordi.
Donc là, pour mon caméscope, je ne peux pas faire de vidéo maintenant parce que la carte SD que j'ai, 128 Go, c'est une V30 et il faut une V10. Donc elle n'est pas compatible, ça marque erreur, carte erreur. Donc en attendant, il est dans sa petite pochette ici. Voilà, c'est un DVC. Voilà, il est dans sa petite pochette avec son câble USB. Voilà. Et dès que j'aurai reçu ma carte que j'ai commandée sur Amazon, la carte mémoire que j'ai commandée, elle est adaptée pour les vidéos sur les caméras et tout. J'espère que ça ira parce que sinon, voilà. Dès que je l'ai reçu, je fais l'ouverture du colis parce que j'ai encore le colis de la carte et de mes diamants painting à recevoir. Donc j'ai encore deux commandes à recevoir. Et dès que j'ai reçu ma petite carte, je la mets dans mon caméscope. Je fais le formatage de la carte SD parce qu'il faut absolument faire le formatage avant de s'en servir. Et après, je pourrai faire mes vidéos et je vous posterai les vidéos caméscope dès que je les aurai faites. Mais je vous tiens au courant. Voilà. Donc j'espère, Mathis, que tu es sage pour aujourd'hui, c'est le jour de ton anniversaire. J'espère que petit diablotin sera sage. Avec tous les cadeaux parce que j'ai regardé la vidéo, ouverture de tes petites cartes d'anniversaire et de tes petits cadeaux. J'ai pas vu l'ouverture du grand cadeau. Voilà. La vidéo, Angélique, elle a coupé avant l'ouverture du gros colis. Voilà, du gros cadeau. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je t'en parle dans cette vidéo-là parce que, voilà. Sans le temps que cette vidéo soit publiée, je te le marquerai en commentaire sous une de tes vidéos. On n'a pas vu la fin on n'a pas vu la fin de la vidéo pour l'ouverture du gros cadeau d'anniversaire à Matisse. Parce que la vidéo, elle a coupé avant. Donc c'est parce que tu devais plus avoir de mémoire sur ta carte, sûrement. T'as pas dû t'en apercevoir. Donc moi je me retrouve encore bloquée à la maison parce qu'il fait mauvais temps déjà. Et je suis bloquée encore avec ma sciatique. Hier j'avais pas mal, j'ai pu sortir un petit peu. J'ai pu aller m'asseoir au soleil parce que sous mon petit tilleul à côté de ma chambre. Mais voilà, depuis ce matin je suis levée, la douleur est revenue, j'ai pris un cachet. Mais voilà, j'ai droit qu'à un cachet par jour pendant 5 jours. Et si je vois que ça persiste, comme le 11, j'ai rendez-vous chez mon médecin, je lui en parlerai, qu'il mette un traitement autrement. Donc là, pour le châle Canada blanc, je vous explique en vidéo quand je le fais avec vous pour le premier rang, quand on reprend un rang, à partir du rang où on s'est arrêté, je vous fais les deux premiers rangs et après, je ne compte plus, je vous explique plus parce que c'est à répétition. Mais je vous mettrai les explications en écrit sur ma vidéo. Pour les 10 premiers rangs. À partir de, alors je vous ferai les rangs de montage et quand on commencera à faire
la diminution double, une maille, et puis après les autres mailles après derrière, je vous expliquerai le nombre de rangs pressés à répétition, c'est pareil, il faut toujours ajouter une maille à chaque rang. Donc là, vous voyez, on va calculer les mailles ensemble pour le prochain rang en droit. Voilà, donc on va placer les marqueurs et après, vous verrez, c'est tout le temps pareil. Alors, ici, on laisse les deux premières mailles en... On met le petit marqueur rose parce que c'est pour votre première diminution simple. Donc, vous tricotez les deux mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, ici, pour le rang 33, vous calculez 14 mailles. Pour les quatre premiers petits triangles, c'est 14 mailles. Donc là, on compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On place le petit marqueur bleu. Ici, vous mettez une maille toute seule, c'est l'augmentation 5 en 1, c'est-à-dire c'est la maille que vous tricotez 5 fois. Ensuite, vous refaites 14 mailles. Donc là, vous savez qu'ici, vous avez votre diminution double. Donc, vous laissez une maille à 1, voilà. Donc là, vous faites 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Après, vous n'avez pas besoin de compter entre un marqueur et l'autre, vous savez. Vous repérez à votre diminution double. Donc là, vous mettez 3 mailles. Vous recomptez. Là, vous êtes obligé de compter. 2. Alors. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Parce que là, c'est après, c'est l'augmentation 5 en 1. Voilà. Donc là, vous laissez une maille. Donc d'un côté, vous devez avoir 7 marqueurs, un marqueur rose, 7 bleus, 4 jaunes, 7 bleus, 1 rose. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, il m'en faut encore un tour, donc il me faut encore un triangle. Donc là, vous savez qu'il y a une diminution double, donc vous laissez une maille, vous placez votre marqueur là, ici, et vous vérifiez, vous avez bien 14 mailles, d'accord? Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vous faites vos 3 mailles en une. Vous mettez un marqueur jaune parce qu'on arrive au triangle central. Donc là, vous en mettez 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Un marqueur jaune. Une maille toute seule, un marqueur jaune. Enfin, moi, c'est les couleurs que j'ai sélectionnées. Vous pouvez mettre d'autres couleurs. Moi, je mets par rapport à la couleur de ma laine pour que je puisse les voir. Et là, vous comptez 15 mailles. Donc là, vous avez une diminution double ici. Vous mettez petit marqueur jaune, le dernier. Et vous vérifiez que vous avez bien 14 mailles. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Plus là, vous en avez bien 15. Là, vous mettez vos 3 mailles séparément. Après, ensemble, marqueur bleu. Et vous comptez... 14 mailles, pardon. Là, vous en avez 15. Là, vous en mettez 3. Alors là, j'ai été trop loin. C'est ici. Alors, on revérifie. Là, 4 petits triangles de 14 mailles. 2 triangles de 15 mailles. Donc, je revérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Votre diminution double. On remet un petit marqueur bleu et là, on en fait 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Un petit marqueur bleu. 5 en 1. Donc, vous mettez une maille toute seule. Vous placez un marqueur. Là, vous allez ici. Vous mettez... un marqueur bleu. Bon, moi j'ai deux bleus différents. Pardon. Vous vérifiez que vous en avez bien 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Là, vous avez votre diminution double. Donc, vous mettez un marqueur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vous placez un petit marqueur bleu,
5 en 1, vous placez le dernier petit marqueur bleu. Vous pouvez mettre du rouge, du vert, du mauve clair, du bleu foncé, du violet foncé, voilà. Et là, vous laissez deux mailles en dernier, vous laissez les deux dernières mailles pour votre diminution simple. Mettez le marqueur entre les deux et vous vérifiez que vous avez bien 14 mailles ici. 2, 4, 6, 8, 12, 14. Voilà. Donc ça sera le prochain rang endroit qu'on tricotera ensemble et on reprendra nos rangs à partir du rang 33. Voilà, donc je mets ma page de mon où je compte les rangs, où je raye les rangs de mon châle Canada blanc. Je le mets là, comme ça je sais que pour le blanc je suis rendue là. Et que pour le jaune, il faut que je tourne les pages parce que j'en suis pas à ce niveau-là, j'en suis beaucoup plus loin. Voilà, donc je vous mets tout ça en vidéo. Alors, je vous marquerai. J'irai voir sur les vidéos de Lydia. De toute façon, moi, j'ai marqué comme ça, mais moi, je vous marquerai pas ça. Vous allez directement sur le site YouTube, sur la chaîne YouTube de lydiacrochettricot.com. Vous allez sur les châles. Vous cherchez le châle Canada au crochet. Ça va être elle va vous expliquer en vidéo de A à Z. Elle va tout vous expliquer sur les premiers rangs. Sur celui-là au tricot, elle va vous expliquer aussi de A à Z sur les deux ou trois premiers rangs, je ne sais plus combien. Elle va tout vous expliquer. Moi je peux pas vous montrer, je peux pas vous donner les explications parce que je sais pas si elle va être d'accord, mais allez voir sur sa chaîne YouTube. Elle vous explique le châle Canada au crochet et elle vous explique le châle Canada au tricot et avec les laines qu'elle utilise elle pour les faire. Voilà. Donc mes explications de mon châle Canada, là, je vais les mettre avec le blanc. Ça va aller avec le jaune. Donc, je termine la vidéo. J'espère que cette vidéo, j'espère que vous allez passer du bon temps en visionnant cette vidéo, suivant à l'heure et quel jour vous allez les visionner. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un agréable moment avec cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous à tous et encore un petit bisou, plein de petits bisous encore à Mathis et encore un joyeux anniversaire à toi Mathis pour tes 6 ans. Je t'envoie ta petite carte et ton petit cadeau d'anniversaire dans la semaine prochaine, dès que j'ai fait les achats, dès que j'ai reçu mes sous, dès que j'ai reçu mes allocations, je t'achète ta petite carte et ton petit cadeau et je te l'envoie aussitôt, tu l'auras dans le courant de la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite encore un très joyeux anniversaire et je te souhaite de passer une bonne journée parce que je ne sais pas quand tu visionneras cette vidéo, ça sera trop tard quand tu la visionneras, mais en attendant, j'ai pensé à toi. Et je te fais plein de gros bisous, mon petit Mathis. Petit diablotin, sois sage avec papa, maman, avec tes frères et ta petite sœur. Plein de gros bisous à Irina et à tes autres frères et sœurs et à papa, maman. Voilà. Bisous à toute la petite famille. Bisous à toutes mes petites abonnées et à tous mes petits abonnés. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, le 4 juin. Voilà. À la prochaine vidéo. Bisous.